Et salut à tous. Comment ça va? Bon, comme je disais précédemment, je me suis fait un peu les fiches pour en savoir plus. Et au final, j'en sais pas plus. Tout ça pour dire que on sait que les mecs de l'hôpital c'est des gros connards. Et bon, plus besoin de caméra, à ce qui paraît. Allez, c'est parti, hein. Putain, il voit vraiment que dalle. Je veux ma caméra, au final. Ok, j'ai besoin de ma caméra, donc faut que je redescende. C'est sympa. Va falloir que je me cache. Alors... J'espère qu'il n'y a pas trop de lag ici. Je vois un petit message d'alerte. Alors j'aime bien parce que c'est très très bien foutu au niveau des mouvements. En fait, ils ont vraiment géré tout le corps. Bonjour, je vois ma ceinture. Par contre, je tourne la tête, je fais deux pas. En fait, je suis un danseur de claquettes. Alors, où est-ce que j'ai pu mettre ma caméra? Alors, c'est quand même bien flippant de savoir qu'on n'a plus le seul outil qui nous permettait de voir dans le noir. Non. Non, bon. J'ai balisé pour rien, j'espère. Sympa, une pile. Je vais faire quoi? Je vais leur jeter des piles sur la gueule, le mec? On va rien voir. Ok. Bon, j'imagine que c'est par là. Hein. Putain, c'est balisant. Je m'y ferai jamais, hein. Je m'y ferai pas. La déco est quand même à chier. Hein. Ah, on va y voir. Bah oui. Je crois qu'il a eu une grosse envie, lui. Voyons voir, il y a des cartes à jouer. Ils sont bien fichés sur les détails. Mais toi aussi t'es beau, Julien. Montez, hein. Prends une petite douche. On peut fermer la porte doucement, toi, sérieux. Une caisse, monsieur. Bon, bah j'ai compris, on descend. Ça va. Je vais me faire défoncer la bouche. Bon, les gars, vous me spammez. Je sens que je vais devoir me taper un méga sprint de la mort. Ça, je le savais. Putain, il pourrait pas faire un peu moins de bruit quand il bouge ce mec, quoi. Alors... C'était quoi ça? C'était pas mon vent. Ah putain l'enfoiré!
Allez! Wako! Ouyayay! Allez, ça se barre! Qu'est-ce que c'est? Des ampoules? Là, tu vas pas regarder si je m'approche? Non? Ouh, t'es vilain! Ouh, t'es miche! T'es moche! Bon, alors, les ampoules, non, il ne veut pas, enfin les bouteilles. Au final, ouais, c'est quand même pas mal, hein. Désolé, je vous fais laguer. J'ai pas peur. J'ai pas peur du tout. Ta 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 la la la. Bah, non, je ramène les coins, hein. Putain, on voit rien, sérieux. Un petit éclair? Un petit éclair, allez, non? Putain! Allez hop, on y va. On y va, on y va, on n'a pas peur. J'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai confiance. Caméscope! Prends les piles, prends les piles. Allez, prends-le! Mais tu vas le prendre ce putain de caméscope, oui! Ah, t'es sérieux là? Faut faire le tour! Ah putain! Eh merde, c'est un cul-de-sac! Aïe 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 aïe, barrez-vous, barrez-vous! Alors. Hop 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 hop! Je fais le tour! Ouais, j'imagine qu'il faut que je remonte en fait, hein! Allez, saute! Ça va bien! Allez, hop, grimpe! Allez! Bon. Oh, j'ai fait un arrêt, je crois. Je crois que j'ai fait un petit arrêt. Alors. Du coup, on revient par là. Là, y'a rien. Là. Y'a que ça non plus. C'est beaucoup trop calme. Enfin, on apprend à être méfiant partout maintenant. Allez, on crape. Ouais, c'est bien. C'est bien, Kiki. Ah, pff. Même les objectifs sont peur, tiens. Alors... Non, là, y'a rien. C'est fermé, bien sûr.
En fait, toutes les grilles sont fermées, en fait, hein. Oh, c'est pourri cette caméra, sérieux. C'est quoi la marque? Sauvegarde. Bon, oui, elle est tout cassée la caméra. Ça veut dire qu'il faut que je descende? J'ai pas trop envie de descendre, moi. Ok, c'est là où j'ai vu le père tout à l'heure. Bonjour! Enchanté! Moi, c'est Bobby. Ça va? Qu'est-ce que tu veux? Tu vas m'attaquer? Only one way out. Only one way. Ok. Ok. How do you know you're not a patient? Foiré! Je veux pas. Ah bah oui, voilà! Connard! Aïe aïe. Bon voilà, donc on apprend que les mecs qui gèrent l'hôpital, bah ils sont pas super sympas. Y a un mec qui veut démissionner, bah du coup ils le font interner, hein, bien sûr. Il ne sortirait pas de Montaigne, je sais pas quoi. Voilà. Et sauvegarde. Putain, y a deux sauvegardes en 30 secondes. Y a des chiens qui vont passer par la fenêtre, c'est ça? Oh putain. Putain, il y a le gros chier. Alors, est-ce qu'il va revenir? Jusqu'ici. Oh putain. Ok, ouais, il est venu. J'ai pas vu. Je suis caché. Je suis caché. Ok. Ah, il sort de la pièce, on l'entend plus, tu sais. C'est un cul-de-sac qui fait chier. Bon. Alors, merci, merci Sano, salut Sano. Il revient, il revient. Alors. Arrive. Alors, il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Allez! Tu vois qu'il vient de se pointer juste devant moi. Ouais, bah oui, voilà. C'est quoi, c'est une patte def ou quoi?
Hop. Une grille en haut. Ok. Putain! Ah putain, les grappes! Eh, saute, saute! Mais saute, putain! Oh, mais sérieux! Oh, le mec, il arrive pas à sauter sur une table! Bon. Là, attendant qu'il repasse. C'était la prochaine porte. Deuxième porte à gauche. Alors, ça dit quoi un petit peu là? Putain, ça chante de pas. Il arrive. J'ai un gros slip en cuir. Je vois. C'est problème de respiration, monsieur. Oh putain. Baisse-toi, baisse-toi, baisse-toi. Il va repasser. Passe. Putain, allez, barre-toi! Allez, cours! Mais con! Mais quoi, il veut pas courir, ce con? Allez, saute, 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 saute! Eh bien! Eh ben voilà! Ok! Qui m'attend à causer, non? Je sens que je vais me péter la gueule. Ok, bon. Allez, en face. En face quoi? On va voir un peu ce qu'il y a à gauche là. Pour récupérer une connerie. Genre une étoile d'invincibilité ou un truc comme ça, tu sais. On avait peut-être deux passages pour monter. Franchement, je m'en rends. Franchement, tout ça pour un dossier, tu peux le garder ton dossier. Ouais. Désolé pour les petits problèmes de lag. Pourtant, tout était éteint. Comme vous voyez, j'ai même éteint toutes les lumières chez moi. Ah, il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre. On va voir un peu ce qu'il va faire.
Ah, lui aussi, il a froid. Hein. Vous imaginez si on était comme ça dans la vie? Ah, je suis désolé, malheureusement, je peux rien faire. J'ai tout qui est débranché. On va commencer. Le choix en fait hein. Et la musique il devient flippante. Il y a un fantôme qui va arriver. J'ai un dossier, c'est trop bien. La porte est défoncée. Alors j'ai l'impression d'être un Ghostbuster dans une bibliothèque. Alors... bah ouais, j'imagine qu'il faut que je passe par là. C'est sympa, c'est un petit billard. Ah ok. Allez, c'est bien. Allez, qui c'est qui joue le piano? Et est-ce que le Wall Rider nous voit dans les placards? De quoi est-ce que ce jeu-là est un seul sur Steam? Je sais pas. Par contre, sur le DLC qu'on part, vous devez pouvoir le trouver pas trop cher. C'est mignon, il joue du piano. Ok. Bien sûr. Ah bah oui, en même temps, en plus c'est Halloween, donc à mon avis, c'est le genre de jeu qui devrait le faire, quoi. Pourquoi ça rame? Bon, on va sauter. Hop. Ok. Oh con, il est flippant lui. Oh. Joe, j'ai la pétoche. Je peux me cacher dessous? Ah. Oh, sérieux, le mec il rentre sous l'hélice, cache pas là-dessous. Faut me revoir un petit peu au niveau de la logique, hein. Pour jouer du piano, moi j'aimais bien. Hein. C'est le pianiste. Alors derrière le théâtre, il y a la clé. Ouais, mais derrière le théâtre, il y a l'autre enculé. Putain. Sérieusement, faut que j'y aille. Il est où? Bon bah... go alors. Alors c'est parti. Hein. Il y avait l'autre qui est en train de rôder.
chanson prudemment. Ok, il joue des claquettes. Chut. Allez, change un peu les piles. Voyons voir. C'est pas du tout oppressant. Y'a pas un mec là? Putain. Exit interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Clearance Sierra Alpha, subject Dr. Rudolf Wernicke, 14866. The fumes are real. There was no alteration to the footage at all, no trigger. Oh, yeah. None. In June of 1943, you recorded three instances of spontaneous bleeding. Half a dozen test subjects began to develop brain tumors. Yes. C'est un test de Rochard qui passe. Alors, bon, est-ce que je vais mourir de peur? Non. Raccroche le téléphone. Us. You have to find Wernicke. Only way. You're saying the experiment needed proximity to this to overwhelm the madness. Only a case of nothing with weakness for the horror was capable of transmitting the issue. Do you believe your test subject has seen something? Qu'est-ce que je fais? Je prends le dossier. Prends le dossier. J'ai pas le choix. Il a fait le documentaire quand même. Ça va être fermé, donc il faut que je passe par en dessous. Ce jeu arrive à me foutre une pétoche. Rapide. Bon, allez. Ah ouais. Putain, il est là. Pas que je joue là. Ok. Mais bon, ça va pas être lui, non? Ah oui. Oh putain. J'aime bien le mec qui se balade sur une corniche avec le caméscope à la gueule, tu sais. Hey Martine, le tourisme, c'est plus ce que c'était, hein. Ok. Alors. Oh yeah. Toujours fermé là? Ouais.
Toujours fermé. Qui va sortir du placard à tous les coups. Ouais. Il y a le gros, c'est ça? Alors. Je sais pas de me rassurer. Je suis tout à fait rassuré. Alors, est-ce que tout va bien de l'autre côté? J'ai l'impression que la caméra bouge plus. C'est mort ou la caméra plantée? Bon. Petit souci avec la caméra sort, moi. Oh putain. Putain, ils sont encore là, eux. Désolé, la cam a rendu l'âme. Quelle heure il est? Est-ce que vous voulez que je vais essayer de relancer la cam un instant. Bougez pas. Tac. Ok. Ah, attendez, juste un instant. On va débrancher, on va rebrancher la caméra. Je sais pas ce qu'il y a le soir là, merde. Hop là, enregistrement. Alors. Caméra. Et voilà, c'est reparti. Juste un instant. Petite modification. C'est un peu gros quand même. On va réduire un peu la caméra. Tic, c'est reparti. Alors. On était où? Ah ouais, les deux frères Phallus là. Les deux jumeaux. Ah, ils sont où? Ils sont où? Allez. Yeah. Ils foutent quoi en fait? Pas vu. Pas vu. Alors. Ils sont où? Je vois un peu le pattern quand même.
sérieusement, les gars, allez! C'est parti? Des fois, c'est un petit peu lent. Eh, regarde, c'est moi qui filme. Exprès, hein. Bon, qu'est-ce que je fais? Je me lance? Ah, on en est là. Faut que je passe par où là? Sérieux là? Ouais. Faut que j'aille où? Ok. Oh, la caméra encore lâchée? Attendez, bougez pas, juste un instant. Qu'est-ce qu'elle me veut la caméra? Bah alors, Kiki? Qu'est-ce que tu me fais? Alors attends, débranche, rebranche. Hop là. Écoutez, ce soir, caméra un petit peu capricieuse. Alors par contre, j'ai un petit coup de main là. Par où il faut que je passe? Si je me suis tout tapé pour rien, je vais être over dégoûté. Heldrick, mon bien-aimé, aide-moi. Sérieux? Putain, c'est là où j'étais? Oh merde! Oh putain, je suis dégoûté! Putain, c'est là où j'étais!
quelle grosse merde. J'ai même pas vu. Non. C'est le cadavre. Oh oh oh. Eh oh. Ok, je suis passé. Allez hop. Je vais me pas m'approcher, hein. On va tracer, hein. Ok, vise-barre. Ok, c'est fermé. Bon bah avec une porte, hein. Oh, oh, oh. Bon. Alors. Ah, ce soir la caméra veut pas, hein. Je sais pas ce qui lui arrive à ce kiki. Je suis vraiment désolé. Bon, ouvrir le frigo, hein, j'ai un petit creux parce que mon ami il est pas bouffé depuis tout à l'heure. Hein. Père, c'est vous? Bon, ça je me tourne pas. Ah, pile. Oh merde, il y a un bras. Professeur, je suis tellement content de vous voir. On va pas le faire chier lui, hein. On va pas trop le faire chier. Tellement dramatique, à un moment donné, j'ai pas le choix de toute façon. Ah ouais, ça y est, ça commence. Fantôme de l'opéra. Alors, est-ce que. On va se la faire à l'ancienne. On va se la faire à la méthode de Bangkok. Hein. Alors. Hop là. Bon, écoutez, je crois que j'ai un petit souci avec ma caméra. Pas grave, et juste plus sous garantie. Bon, il faut que je le voie lui. Eh. Ah ben non. Non, non. Ah. J'ai cru. Ça aurait été tellement genre. Je vais tout vous raconter. Ok. Depuis le début. Depuis le début. Alors. Bah non. Je croyais, bon. Alors c'est pas par là. Ah bah une porte là. Qui est fermée. Merde. Ah. Alors, oui, un petit. Je pense qu'il a pris la porte dans la gueule. Faut changer les piles. Oh putain, je suis où? Oh. Je tire les fesses toi.
toujours des PC. Oh. S'il te plaît, remets-moi le Cap Dorothée. Alors, tac tac. Excel. Toujours aller dans les toilettes. Toujours. Règle numéro 1. Vérifier que la cuvette soit propre. Le pitch de survival. En fait, tu es un journaliste. En fait, tu as reçu un message comme quoi ils font des trucs super dégueu dans cet hôpital. Et bah, comme tu es super intelligent, bah, tu prends ta caméra et tu vas voir. Ok, ils sont tous en train de prier. Eh, hey, c'est un Lévis. Et du coup, bah voilà. Ah. Comme ça me rassure pas de les voir prier. Je sens que je vais me prendre un fantôme dans la bouche. Ok, ça prie, ça prie. Ah. On ouvre toutes les portes, hein, à mon avis. Attends. Un dossier. Parce que ça me sauvera la vie, peut-être. Ok, c'est bouché. Alors là, y a pas une petite pépile, les pépiles. Bah si, voilà. Alors. Ok. C'est toujours pas plus rassurant, hein. Bon, moi, y a pas de sauvegarde. Ok, je passe de l'autre côté. Alors. Oh, je suis passé par la fenêtre, ouais, j'avais vu, ouais. Mais je visitais. Ils ont quand même une toilette impeccable, hein, malgré leur folie, hein. Ils sont passés chez l'esthéticienne, les gars. Oh, j'ai. My Job. Oh merde. You alone shall escape the tower. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together okay. We will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Ouais, enfin, il y a les deux autres qui sont là quand même. C'est bien parce qu'on peut pas se. Enfin, je profite pas trop du truc parce que. Je suis pas rassuré d'avoir les deux frangins là.
Bon, ok, lui il est mort. C'est trop facile là. Et il a fini en croix le padré. Est-ce que c'est pas trop facile, je savais. Putain, je suis où là? Ouais. Oh putain, il est encore là, lui. Comme c'était trop facile. Alors, comment je vais passer par là? The Great Escape. Alors, est-ce que je suis loin de la fin là, ou est-ce que c'était juste pour me filer en vie comme la dernière fois? Ouais, il arrive. On va défoncer la porte ouverte. Il est pas loin. T'es con, hein? Ah non, ça va se passer là. Alors, voyons voir. Il m'a où ce buffet le furet quand même? Allez. Allez, il t'en reste plus beaucoup. Allez, allez. Ça veut dire qu'il va pas jusque là? Ah si. Ça s'essouffle un peu, hein. Ok. Allez. Bon, ça va, je suis rassuré. Ah bah ça y est. Ah putain, il me voit. Ah mais sérieux, je suis caché dans la cheminée, ça compte pas. Aïe 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 aïe. Aïe, 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 pourquoi la baie? Putain, je prends les murs. Ah merde. Aïe, aïe, barre-toi, allez. Allez, barre-toi, aïe, ouste. Ah merde. Bon.
Alors. Oh putain! Bon. Merde! Par où il faut que j'aille? Ok. Merde, putain! Ah merde! Dans la cuisine maintenant. Ok. Ok, ok, ok. Ok. Allez, 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 allez. Non ! Non ! Non ! Je veux pas ! Non ! J'étais presque, mais menti ! Oh, je déteste ! Putain, j'y étais. J'y étais. Bon, les amis. On va continuer sa minute, on va continuer une minute et puis on va pas tarder à s'arrêter. Hein. Aïe aïe. Oh, vous m'avez menti, vous m'avez spolié. Vous avez abusé de mon innocence. Tiens, pour ça, rien que pour ça, je prends un dossier. Voilà, je me barre avec. Voilà, voilà, ok, là. Maintenant il y a des tyrans et compagnie, là, tu vas voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, il y a une jambe? Mais ça, c'est quoi? Mais c'est dégueulasse! Je fais des traces. Ouais, cool! Je peux écrire mon nom. Personne n'a vu, je n'ai fait aucune trace. Ah là là. Bon, eh ben écoutez, on y est. Donc on va s'arrêter là pour ce soir et puis on termine la semaine prochaine, j'espère. Du coup, alors, hop. J'espère que vous avez passé encore une bonne heure et puis ben là, moi je vais arrêter. Je vais basculer sur le tournage de Challenger. Je vais préparer le matériel pour demain soir parce que demain soir on commence à tourner. Et du coup, ben écoutez. J'espère que vous revoir la semaine prochaine et puis en attendant je vais peut-être faire un petit live pendant la semaine sur Evolve que j'ai récupéré. Ça vous branche de venir voir ce que ça donne la version alpha. Et puis en attendant, on se voit sur les prochains lives et sur les rediffs. Allez, passez une bonne soirée, bye bye tout le monde.